En ce dimanche, jour de joie, grâce et paix vous sont données ici et maintenant de la part de Dieu, Père de tous les hommes, de la part de Jésus-Christ, frère de tous les hommes, dans la consolation de l'Esprit-Saint, souffle de tous les hommes. Mon ami, mon frère, ma sœur, toi qui es venu ce matin prendre le temps d'écouter la parole de Dieu, renouveler tes forces physiques et spirituelles par le chant et la prière, rencontrer ton prochain au milieu de ton activité familiale ou de ton travail ou de tes nombreux engagements, sois sans crainte, le Seigneur est là, il t'appelle. Il t'invite à l'écouter et à le recevoir maintenant. Alors, bienvenue pour ce culte. Nous sommes heureuses de vous retrouver dans ce temple de l'Oratoire du Louvre. Nous saluons celles et ceux qui nous regardent de leur domicile en France ou à l'étranger. Aujourd'hui, c'est le premier jour de l'été. C'est aussi la fête de la musique, qui sera d'une autre tonalité à cause de la règlement sanitaire. Mais le culte sera ponctué de morceaux spécialement choisis par notre organiste Sarah Kim pour célébrer cette fête de la musique, qu'elle en soit remerciée. Et en plus, on m'a dit que c'était la fête des pères. Alors, bonne fête à tous les papas. Bonjour à tous. Je vous invite à louer le Seigneur ensemble. Éternel Dieu de la vie, tu es là depuis toujours. Merci. Je te donne mon chant pour apaiser le monde. Comme une prière qui bercerait la souffrance de celles et ceux qui se battent pour plus de justice et plus d'amour. Je te donne ma musique pour faire danser celles et ceux qui pleurent et pour sécher leurs larmes. Je te donne ma mélodie pour louer ta présence parmi nous et dans nos vies bien au-delà de tout ressenti. Je te remercie pour l'Occident de notre existence, pour l'Orient de nos espérances et pour cet instant où, là encore, tu nous surprends. Je veux te louer pour tout ce que ta volonté fait dans nos vies et pour tout ton amour et ta grâce, pour qu'il s'accomplisse et mette en œuvre en chacun et en chacune de nous toutes les œuvres bonnes que tu veux pour nous. Pour tout ce que tu bouleverses, révèles et fais jaillir en nous. Pour la nouveauté d'un matin qui se lève en espérance sur notre monde. Je te danse, je te loue, car tu es mon alpha, mon oméga. Tu me précèdes et tu me conduis. Tu dépasses et tu transcendes mes inquiétudes, mes angoisses et mes pensées pour en faire un chant nouveau. Loué sois-tu, Éternel, Dieu de la vie. Et je vous invite à chanter ensemble notre louange en nous levant avec le psaume 47 dans le psautier français, les strophes 1, 2 et 3.
écoutons encore la volonté de Dieu pour nous aujourd'hui et pour les jours qui viennent. Que règne en vos cœurs la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés tous en un seul corps. Vivez dans la reconnaissance. Que la parole du Christ habite parmi vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres avec pleine sagesse. Chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés par l'Esprit. Que cette parole de l'Épître aux Colossiens nous porte dans nos vies. Et je vous invite à vous asseoir et à entrer dans ce temps de prière où nous nous présentons devant Dieu, tels que nous sommes. Nous voici maintenant devant toi, tels que nous sommes, Seigneur. Tu nous aimes et nous ne voulons pas le savoir. Tu nous sauves, tu nous pardonnes. Et il semble que cela nous importe si peu. Seigneur, nous sommes souvent devant toi et devant les autres, secs et protégés. Fais de nos cœurs de pierre des cœurs de chair. Par ton esprit, rends-nous humains et disponibles au visage de l'autre. Creuse en nous le désir et la faim et la soif de l'attente. Et qu'il nous soit donné de nous mettre en route dans la joie et l'espérance de ta présence. Aide-nous à saisir ton pardon, à accepter cette libération que tu nous offres sans condition. Alors nous chanterons à pleine voix, nous chanterons pour vivre de ta joie, de ton espérance et de ton amour avec nos frères et nos sœurs, mais aussi pour eux. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Pour recevoir le pardon du Seigneur, je vous invite à vous lever et à recevoir cette grâce sans cesse renouvelée pour nous. Tout ce que Jésus a, il l'a reçu du Père. Et tout ce qu'il possède, il nous le destine. Le jour de son baptême, il a reçu une parole. « Tu es mon Fils bien-aimé, moi aujourd'hui je t'ai engendré. » Cette parole nous est aujourd'hui destinée à nous aussi. « Tu es mon enfant, dit Dieu. Aujourd'hui je t'engendre à nouveau. » Aujourd'hui, je te pardonne. Aujourd'hui, je fais toute chose nouvelle. Que l'évangile de la grâce et du pardon soit pour toi parole de guérison et musique de ton chant. Amen. Chantons à Dieu notre reconnaissance pour cette grâce sans cesse dans nos vies. Confessons notre foi. Avec Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Avec André, nous avons trouvé le Messie. Avec Nathanaël, Maître, tu es le Fils de Dieu, le Roi d'Israël. Avec les Samaritains,
nous savons qu'il est véritablement le Sauveur du monde. Avec Pierre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Avec Marthe, tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Avec Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Je vous invite à vous asseoir. Prions ensemble. Éternel, nous voici maintenant devant toi. Et dans un instant, nous allons recevoir ta parole. Toujours nouvelle, et de par sa nouveauté, elle va nous déranger. Alors nous t'en prions, viens mettre en chacun de nous ton Esprit Saint. Creuse en nous la disposition nécessaire pour recevoir ce qui est important pour nos vies. Permets que nous trouvions des réponses aux questions que nous nous posons trop nombreuses parfois. Permet qu'au milieu de nos enfermements, nous y entendions ton appel à la liberté. Amen. Dans le livre des Actes des Apôtres, nous prendrons aujourd'hui cet extrait qui se situe au chapitre 5, à partir du verset 17. Je prendrai un petit peu avant. Beaucoup de signes et de prodiges s'accomplissaient dans le peuple par la main des apôtres. Ils se tenaient tous, unanimes sous le portique de Salomon, mais personne d'autre n'osait s'agréger à eux. Le peuple faisait pourtant leur éloge, et des multitudes de plus en plus nombreuses d'hommes et de femmes se ralliaient par la foi au Seigneur. On en venait à sortir les malades dans les rues, on les plaçait sur des lits ou des civières, afin que Pierre, au passage, touche au moins l'un ou l'autre de son ombre. La multitude accourait aussi des localités voisines,
portant des malades et des gens que tourmentaient des esprits impurs, et tous étaient guéris. Sur ces entrefaites, le grand prêtre et tout son entourage, il s'agissait du parti des Sadducéens, furent remplis de fureur. Ils firent appréhender les apôtres et les jetèrent publiquement en prison. Mais pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit « Allez, tenez-vous dans le temple et là, annoncez au peuple toutes ces paroles de vie. » Ils l'écoutèrent et dès le point du jour se rendirent au temple pour y enseigner. Alors arrivés, le grand prêtre et son entourage convoquèrent le Sanhédrin, tout le Sénat des Israélites, et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Mais les serviteurs, une fois sur place, ne les trouvèrent pas dans le cachot. De retour, ils rendirent compte en ces termes. Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée, les gardes en faction devant les portes. Mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. À l'annonce de ces nouvelles, le commandant du temple et les grands prêtres étaient perplexes au sujet des apôtres, se demandant ce qui avait bien pu se passer. Mais quelqu'un vint leur annoncer « Voici que les hommes que vous aviez jetés en prison se tiennent dans le temple, et ils instruisent le peuple. » Alors le commandant partit avec les serviteurs pour ramener les apôtres sans violence toutefois, car il redoutait que le peuple ne leur jette des pierres. Ils les amenèrent donc, les présentèrent au Sanhédrin et le grand prêtre les interrogea. « Nous vous avions formellement interdit, leur dit-il, d'enseigner ce nom-là. Et voilà que vous avez rempli Jérusalem de toute votre doctrine. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme ?» Mais Pierre et les apôtres répondirent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous aviez exécuté en le pendant au bois. » C'est lui que Dieu a exalté par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la conversion et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces événements, nous et l'Esprit Saint, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Exaspérés par ces paroles, ils projetaient de les faire mourir. Mais un homme se leva devant le Sanhédrin. C'était un pharisien du nom de Gamaliel, un docteur de la loi estimé de tout le peuple. Il ordonna de faire sortir un instant les prévenus. Puis il déclara « Israélites, prenez bien garde à ce que vous allez faire dans le cas de ces gens. » Ces derniers temps, on a vu surgir Teudas. Il prétendait être quelqu'un et avait rallié environ 400 hommes. Lui-même a été tué, tous ceux qui l'avaient suivi se sont débandés et il n'en est rien resté. On a vu surgir ensuite Judas le Galiléen. À l'époque du recensement, il avait soulevé du monde à sa suite. Lui aussi a péri. Et tous ceux qui l'avaient suivi se sont dispersés. Alors je vous le dis, ne vous occupez donc plus de ces gens et laissez-les aller. Si c'est des hommes, en effet, que vient leur résolution ou leur entreprise, elle disparaîtra d'elle-même. Si c'est de Dieu, vous ne pourrez pas les faire disparaître. N'allez pas risquer de vous trouver en guerre avec Dieu.
se rangeant à son avis, ils rappelèrent les apôtres, les firent battre de verges, et après leur avoir enjoint de ne plus prononcer le nom de Jésus, ils les relâchèrent. Les apôtres quittèrent donc le Sanhédrin, tout heureux d'avoir été trouvés dignes de subir des outrages pour le nom. Chaque jour, au temple comme à domicile, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus, Messie. Seigneur, ta parole est la vérité. Conduis-nous, éclaire-nous, sanctifie-nous par la vérité. Amen. Amis, frères et sœurs, nous continuons notre découverte du livre des Actes et nous suivons les pérégrinations des apôtres. Et depuis Pentecôte, rien n'arrête la parole des apôtres. C'est la seconde fois qu'ils se retrouvent en prison et qu'ils comparaissent devant le Sanhédrin, le tribunal ecclésiastique juif. Ils sont en quelque sorte irrécupérables pour la justice de leur époque. Et bien que les apôtres soient des gens quelconques et sans grande instruction, nous dit-on par ailleurs, ils remportent un franc succès et l'adhésion de tout le peuple. En effet, beaucoup de prodiges et de guérisons se produisent avec eux. Le peuple qui est sur le seuil et qui est témoin de ces miracles, n'ose pas s'intégrer au groupe des apôtres ni rejoindre les personnes guéries. Par contre, les personnes qui ont des problèmes de santé physique ou psychique n'hésitent pas à s'approcher pour bénéficier, ne serait-ce que du passage de l'ombre de Pierre dans une communion quasi mystique afin d'être guéries. Alors, dans ce récit, d'un côté, nous avons le grand prêtre du temple de Jérusalem, Caïphe, entouré du parti des Sadducéens et du Sanhédrin. Les Sadducéens ne croient pas à la résurrection en général. Ils sont favorables au pouvoir romain, hostiles aux disciples de Jésus, et ils n'admettent pas la résurrection particulière de Jésus. Cette période n'est donc pas propice aux apôtres. Les Sadducéens censuraient la parole de ceux qui avaient une autre théologie qu'eux. Alors, depuis la Pentecôte, ils s'opposent à l'Église naissante. Ils sont en quelque sorte enfermés dans un passé qui serait même un passif, celui d'avoir condamné et fait exécuter Jésus de Nazareth
quelque part qu'ils n'assument pas. Lorsque l'opposition est trop forte, ils n'ont qu'une solution, supprimer ceux qui les dérangent. Ils enferment, ils tuent. C'est le modèle classique d'une dictature dont la force réside dans un pouvoir absolu et dont la seule peur est de perdre ce pouvoir qui est la marque même de sa fragilité. Par deux fois, ils interdisent aux apôtres d'annoncer la parole, de transmettre l'enseignement de Jésus et même de prononcer son nom. Les apôtres résistent et transgressent. Les Sadducéens n'ont qu'une réponse, les faire mourir. De l'autre côté, nous avons une parole qui circule librement contre toute attente. Pour la seconde fois, les apôtres se retrouvent en prison, dont on peut imaginer que les conditions de détention ne soient pas idéales. Mais ils sont secourus par l'ange du Seigneur, expression toute désignée de l'Ancien Testament pour personnifier l'intervention même de Dieu en faveur de son peuple. L'ange, par définition, c'est le messager qui a des ailes. Figure indomptable de la liberté, qui passe partout et à qui aucun verrou ne résiste. Ici, il ouvre les portes pour laisser partir les apôtres. Il renvoie les apôtres à leur mission. Allez ! Il leur redonne confiance et courage. Tenez-vous dans le temple. Et il les exhorte à témoigner. Annoncer au peuple toutes ces paroles de vie, ou plutôt toutes les paroles de cette vie. Autrement dit, toutes les paroles qui concernent la vie du ressuscité. Et pour démontrer que tout ce qui se passe est bien de l'ordre du divin, lorsque le moment est venu d'aller chercher les apôtres pour comparaître devant le Sanhédrin, il est précisé que les portes de la prison sont soigneusement fermées, que les gardes sont bien en faction devant la cellule, mais que la cellule est belle et bien vidée de ses occupants. Les apôtres échappent à tout ce qui était prévu. On les croit en prison alors qu'ils sont au temple. On les croit muselés par l'autorité alors qu'ils instruisent le peuple. Ils suivent leur propre chemin de résurrection. À l'inverse de Jésus, qui au moment de sa passion passe du temple au prétoire pour être condamné à mort, les apôtres sortent de la prison pour aller au temple témoigner de la vie du ressuscité. Lorsqu'on les arrête, ils suivent leurs oppresseurs sans résistance et les oppresseurs ne leur font pas violence à cause de la foule qui soutient les apôtres, alors que cette même foule, peu de temps avant, s'opposer à Jésus en hurlant de le mettre à mort. Les apôtres n'ont pas peur de se retrouver devant le Sanhédrin. Pierre, devant le grand prêtre, est littéralement porté par sa foi et il parle avec assurance. Il est convaincu qu'il a fait le bon choix. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et pour lui, faire le bon choix, c'est faire le choix du ressuscité. Et le ressuscité, c'est celui que Dieu a exalté par sa droite comme prince et sauveur, venu pour sauver Israël et lui donner le pardon de ses péchés. Et nous pouvons noter qu'à ce moment précis du texte, Pierre n'a pas encore rencontré Corneille et que la mission de Jésus le Christ semble se limiter qu'à Israël et ne s'élargit pas encore aux non-juifs. À ceux qui pensent avoir le pouvoir absolu, Pierre est en train de dire que le pouvoir humain n'est que secondaire par rapport à la vie donnée par le ressuscité, le Christ ou le Messie. Et le Sanhédrin, exaspéré, n'a qu'une réponse, la mort. C'est alors qu'entre en scène un homme, un pharisien nommé Gamaliel.
Et qui est-il, ce Gamaliel ? Il est le petit-fils de Hillel, fondateur de la plus libérale des deux écoles de pharisiens. Gamaliel est le plus illustre enseignant juif de son temps. Il prône sans cesse la modération et cela transparaît dans ses recommandations de prudence. Très instruit, il a étudié non seulement la Torah, mais également la littérature grecque. Et il est réputé pour sa souplesse à l'égard de l'observance moins rigoureuse et moins pesante du Shabbat que la plupart de ses collègues. Il encourage aussi la bienveillance envers les non-juifs. Parmi ses élèves figure le futur apôtre Paul. Pourquoi est-il estimé du peuple ? Parce qu'il sait se mettre à distance des différentes situations. Il choisit toujours de prendre du recul en gardant son sang-froid. Il prend de la hauteur. Il est tout simplement un sage qui reconsidère les choses du point de vue de Dieu. Il n'a aucun pouvoir personnel à défendre, il n'est pas un fanatique, il ne se laisse pas gouverner par la peur. Autrement dit, il se laisse enseigner par Dieu et en tant que chef d'école, comme c'est son nom, il enseigne les autres à se laisser enseigner par Dieu. Il raisonne donc avec sa conscience et il propose à ses collègues d'en faire autant. N'allez pas risquer de vous trouver en guerre avec Dieu, leur dit-il. Si on tue tous ceux qui prêchent Dieu, ce sera un blasphème contre Dieu. Gamaliel invite les Sadducéens et le Sanhédrin à bien examiner ce qui se passe autour d'eux. Il prend l'exemple de révoltes religieuses qui ont avorté d'elles-mêmes, comme celle menée par un certain Teudas ou un certain Judas le Galiléen. Quand il y a de la violence pour régler un débat théologique, c'est qu'il y a derrière un désir de pouvoir humain, comme le manifestent les Sadducéens. Alors, dans cette situation particulière, pour les apôtres, de deux choses l'une, ou bien leur entreprise n'est qu'une œuvre humaine et elle est vouée à disparaître d'elle-même, ou bien elle vient de Dieu et quels que soient les moyens qui seront employés, elle ne pourra pas disparaître. Par conséquent, c'est plus sage de les laisser aller. Les apôtres reçoivent ici un appui inattendu. Gamaliel est en train de suggérer que c'est mieux de laisser prêcher les chrétiens, même si on n'est pas d'accord avec leurs idées, plutôt que de les supprimer. Gamaliel met le pouvoir absolu des Sadducéens en jeu par le doute, parce qu'au fond, on peut se tromper. On ne peut jamais savoir. Seul Dieu peut départager ceux qui parlent en son nom. Et en ce sens-là, Gamaliel est profondément honnête et reste fidèle à ses convictions. Mais est-il seulement conscient qu'il est en train de prendre un risque et de rendre à ce moment-là crédible le ressuscité lui-même ? Car il va à l'encontre de ce que ses collègues sadducéens avaient demandé, à savoir l'interdiction aux apôtres de proclamer la résurrection du Christ et de témoigner de la vie du ressuscité en eux et autour d'eux, parce que prêcher Jésus ressuscité, c'est le susciter encore et toujours, c'est oser l'évangile encore et toujours, et c'est rendre Jésus vivant en permanence. C'est faire de cette annonce une bonne nouvelle qui donne et redonne inlassablement, fidèlement, une raison de vivre et d'espérer. Mais aussi une raison de lutter pour la justice, la dignité, la liberté et de résister à toute forme de mal identifié ou caché, avec même cette conviction à la fois pacifique, inébranlable, voire jubilatoire. C'est exactement la mission de l'Église naissante,
annoncer, transmettre les paroles de cette vie qui font écho à la réponse que Simon-Pierre, alors disciple du Nazaréen, lorsqu'il dira à Jésus, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Ce que nous trouvons dans l'évangile de Jean, écrit bien après les Actes des apôtres. Contre toute attente, la proposition de Gamaliel est acceptée par les Sadducéens et le Sanhédrin. Les apôtres sont relâchés, sûrement à contre-cœur, puisqu'ils sont battus de verges avant de sortir libres. Libres et heureux, nous dit le texte, d'avoir été trouvés dignes de subir des outrages pour le nom. Et l'Église naissante reste en vie. Elle va progresser. Elle n'aura de cesse de progresser de siècle en siècle, avec ses hauts et ses bas, ses qualités et ses défauts, avec ses avancées lumineuses et ses coups bas sordides, avec la proclamation de la parole qui donne la vie, mais avec la tentation permanente de la confisquer, cette même parole, pour mieux garder le pouvoir. Pourtant, l'Église devrait le savoir, depuis la Pentecôte, les barreaux d'aucune prison ne peuvent museler la parole d'un homme quand il annonce aux captifs la liberté, aux aveugles le retour à la vue, la libération de tout esclavage, mais aussi le renvoi des riches les mains vides, la dispersion des hommes aux pensées orgueilleuses, et les pauvres comblés de biens et nourris à satiété. Sans oublier les derniers qui deviennent les premiers, les plus humbles qui se retrouvent aux places d'honneur et les femmes qui rencontrent les premières le ressuscité. C'est ce que procure la vie du ressuscité en chacun qui accepte de le recevoir. Et les apôtres sont bien placés pour en témoigner jusqu'au don de leur propre vie. Et même s'ils la perdaient à cause de leur témoignage, la parole qui libère n'a de cesse de créer, de restaurer, de rendre la dignité, de guérir. Elle demeure éternellement. Amis, frères et sœurs, les apôtres libérés se retrouvent à nouveau dans le temple, mais aussi dans les églises de maison, pour enseigner et annoncer la bonne nouvelle que Jésus est le Messie. Le christianisme naissant fait face aux Sadducéens qui, eux aussi, annoncent une parole. Et dans le temple, il y a donc ces deux types de paroles, aussi puissantes l'une que l'autre. Et au fond, c'est toujours d'actualité. Et toujours au nom de Dieu. D'un côté, il y a la parole qui muselle la vie en la contraignant, en mettant des entraves, en imposant des obligations. C'est une parole qui censure, enferme, mais aussi qui conserve, garde, mais également juge, culpabilise, confisque et finit par tuer. La vraie prison, c'est la parole détenue, mais elle finit par mourir. De l'autre, il y a la parole qui libère la vie, qui circule, qui s'adapte aux circonstances, qui évolue, qui traduit, actualise, qui innove, qui engage et qui lutte. On ne peut pas la détenir parce qu'on ne la possède jamais. Aussitôt proclamée, elle n'appartient à personne, elle est à tout le monde parce qu'elle est donnée, offerte, sans condition, pour l'épanouissement du monde, la plénitude et l'intégrité de tous. La nouveauté des idées qu'elle engendre est sans limite. C'est le christianisme naissant, toujours naissant, qui prêche le ressuscité, celui qui agit toujours en ressuscité, c'est-à-dire qu'il suscite à nouveau,
par une parole active qui relève, éveille ou qui fait tenir debout. Cette parole-là est toujours actuelle, elle n'a pas de fin. Rien n'arrête la parole des apôtres d'aujourd'hui qui annoncent la vie donnée par le ressuscité. Alors, il ne nous reste qu'une seule chose à faire, c'est chanter à Dieu de tout notre cœur, notre reconnaissance. Amen. Au cantique numéro 171, que nous prendrons dans le recueil Louanges et prières, nous chanterons les strophes 1, 2 et 3, et je vous invite à vous lever.
Prions ensemble. Éternel, tu nous combles de tes bénédictions jour après jour. Notre geste d'offrande en est un modeste témoignage. Inspire-nous d'autres gestes d'offrande qui ne soient pas que des gestes matériels, mais également des gestes d'amitié et des marques de tendresse. Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous te prions les uns pour les autres, quand les mots se font rares, quand le pardon ne vient pas aux lèvres, quand l'amour bâillonné n'a plus rien à dire, quand mensonge et demi-vérité brouillent toutes les pistes. Merci pour ta parole, sainte, crédible, fiable, qui apaise notre infinie soif de vérité. Nous te prions les uns pour les autres, quand les mots nous lâchent, quand la solitude du dedans interdit toute parole, quand la jalousie inexprimable ravage la paix intérieure, quand amertume et colère font des autres un enfer. Alors nous te remercions et nous te louons pour ta parole, sainte, crédible, fiable, qui apaise notre infinie soif de vérité. Nous te prions les uns pour les autres, quand les mots soudain s'embrasent, quand ta compassion se propage de proche en proche, quand ta grâce triomphe de la surdité, quand aimer et être aimé ne se discutent plus. Alors, nous te louons, nous te remercions pour ta parole, sainte, crédible, fiable, et nous aussi, avec Pierre, nous disons, mais à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Ensemble, liés les uns aux autres, présents, absents ou malgré les distances qui nous séparent, nous te disons d'un même cœur cette prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et nous restons debout pour recevoir la bénédiction de la part du Seigneur. Amis, frères et sœurs, allez dans la paix que donne la parole du Christ dans chacune de vos vies. Allez ensemble sur les chemins de son royaume, portés par son amour. Amen.